Nous sommes de retour avec Yves Caldor qui va nous expliquer à présent comment il est entré dans ce recueil, c'est-à-dire la façon dont il a été abordé finalement. Ah, bien c'est, ça c'est le genre de choses un peu anecdotiques, mais pour répondre à la question, c'était le hasard. J'ai rencontré une autre écrivaine, Jacqueline Dumas, que je connaissais. Et tout simplement, nous avons commencé à parler de ce qu'elle écrivait à ce moment-là. Et c'était donc deux ou trois nouvelles pour un recueil de textes érotiques qui allait devenir précisément Fragments d'Eros. Alors elle m'a proposé de participer, de contacter l'éditeur, ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place.